On va pouvoir y aller donc avec cette catégorie de munitions. C'est parti pour une dizaine de minutes. Serge Terrasse qui est parti également dans cette catégorie évolution. Alors c'est pas une compétition, je vous rappelle, c'est le tout de passer une très bonne journée. Le tout c'est de revivre des grands moments. On les vivra un petit peu plus si vous voulez avec la catégorie des machines C1. Là on sait qu'on va vraiment revenir dans les années 50 et 60 avec toutes ces machines et ces pilotes et certains pilotes également d'époque, on peut dire, qui à l'époque ont retrouvé ce circuit de l'avant ici de la Roquette. Numéro 5, Francesco Seglia avec Yamaha. Peut-être qu'on retrouvera également des motos anciennes à la veste, on essaiera d'en savoir un petit peu plus cette journée. Voilà, 200 numéro 39, une machine Nusbarna avec un moteur 4 temps. Alors, c'est pas les dernières, hein, c'était le marché d'époque. Il y en a eu très peu également en France. Et je rappelle aux pilotes de la catégorie C3 de rejoindre le pack d'attente, s'il vous plaît. Pour les pilotes de C3, vous rejoignez le pack d'attente. Merci, messieurs. Numéro 27 avec une Honda CR, série de Cédric Dumontier. J'en prends quelques-uns comme ça. C'est ça, Nusbarna 4 temps, qui est piloté par Ludovic Martiel. Thierry Ruel également, avec Nusbarna de 1982, le 430 Nusbarna.